What a family sight here right here. Heading somewhere today. I just want to take a tour of this our neighborhood, but before then I want to go and shave. I want to first of all go and shave. I'm going right now to shave, so when I finish barbing, then I'll take you guys to a tour. I'll give you guys a tour about this our new neighborhood. So actually, is this noise? Actually, I was supposed to go out with the man by there cutting the grass. Cutting that's very noise. Let me walk past this place first, then before I'll tell you guys what the plan is. Bonjour! Bon travail! So, I don't want to step in. No. That's why. Passing a little bridge from here. So I'm heading somewhere right now. So, oh! Bonjour, oui, oui! Ça va? C'est bon, là tu es lourd. Là tu filmes quand c'est le pont. Non, ah. J'ai essayé de faire des vidéos sur YouTube. Ah. Oui, tu pars travailler. D'accord. That was the first person. That was the guy who did the plumbing work of that restaurant. He's the guy who did the plumbing work of the restaurant. So I'm heading somewhere. I'm going to shave. You see the sunlight today is. Look at. There is sun and it looks like it's gonna be raining. It still looks like it's gonna be sunny at the same time. Look at where I've come out. Actually, this house, this building you guys see right here, it was the house. It is the house of a former minister, the Minister of Public Works. This is his house. It was his house. I don't know if he still lives here or he lives somewhere else, but this house belongs to him. So I've come out this way and I'm going to shave my hair. So without not saying too much, I'll see you guys when I finish shaving my hair. So I'm heading right there. I'm heading there right now. I'll see you guys when I finish shaving my hair. Okay. Yeah, I will come along with something I want to show you guys. This puppy, little puppy. Say that his name is Jack. Jack. It's a Jack. Mm-hmm. Jack. Jack. Bon ça dit que c'est un homme. Oui. Et son mari est où? Il n'y a pas. Il n'y a pas. Non. Oh, il n'est pas encore marié. Jack. Hey Jack! Hey Jack! Tu le sais pourquoi il ne veut pas marcher. I actually love that dog. It's amazing. Very nice. I'm somewhere. You see, coming somewhere, going that way. I'm going this fast, it's going this way. So his name is Jack. I love the dog, but it's so expensive. A dog like that one. Over here can cost, you can get it for about 300,000 to 400,000, you know, range from 300 to 500,000 depending on the health of the dog and the state and condition of the dog. This is Ambue. I am in Ambue. See right there, Chima, come on. You got my friend. So I'm with Chima. That's Chima right there. It's my little boy. So I'm with Chima. Chupao, Chima. Ah? Ça va. Et toi, Chupao? Amadi, bonjour. Ça va. Chumon. Amon, ça, Amon. T'as tenté de filmer le mapan. Oui, j'ai tenté de filmer le mapan. C'est ça. This is a little boy called Chima. Chimazak. His name is Chimazak. Ah, very funny. Ah? Tiens le robot. Ça c'est
Say hello. For the hello. Hello, hello. Présente-toi sur les caméras. Hello, my name is Shemazak. My name is Shemazak. I live at Ambue. Ambue. Yeah. Yeah. I am 20 year old. Tu es arrivé 20 ans petit. Yeah. Tu es arrivé 20 ans. Oh, là tu me vois comme un mouna seulement quoi. Oh, moi c'est que tu es 17 ans, 18. Oh, donc quand tu vois 17, mon 18 ans comme quand ça. Quand tu vois mon gabarit là, tu penses c'est quoi, c'est quel quoi, gabarit là, ça c'est le gabarit de poule. Mais oui, le gabarit de poule, mais quand tu vois derrière ma façon, ma voix déjà tout ça là, tu donc là tu me vois tout comme un actually mouna. I don't believe he said that he's 20 years. I thought he was 17, 18 years old. So that's what he's talking about, like that I'm seeing his, like I cannot see his muscles and the voice have changed. I told him that those muscles are muscles for chicken, that he has chicken muscles. He has chicken muscles. Heureusement que tu as pu le constater. Constater. Là, tu me vois donc comme un mouna comme ça là quoi. Mais oui. Oh. Ce n'est pas, même pas, même pas la forêt qui sort là quoi, tu te dis qu'il y a ce n'est pas hier que tu es né devant nous. Mais il faut quand même voir les années passées, c'est pas que tu vas te dire. Bonjour. Ah, la sauce, comment? Ouais. Ah mais les gars, ce n'est pas hier que ouais, tu es mais je vois les enfants grandir aussi, tu ne vois pas que tout ça là, tu es là depuis quand. Tu es dans le quartier depuis. He actually grew up in front of me. So I'm telling him that it's not yesterday that I gave birth to him. He's saying that yes, he knows, but the years are going, things are changing. You know. Si tu as 20 ans, maintenant là, celui qui tu lui suis, il a combien d'âge? Bon, il est ton grand frère là. Il a 22 ans d'âge. Il a 22 ans. Mais j'ai pensé que lui il te dépasse en l'âge de 4 ans. Non. Il a 22 ans comment? Il a 22 ans. Voilà, maintenant tu vois que tu te disais qu'il me dépassait en âge pendant 4 ans. Oui. Étant donné que lui aussi il est costaud, il a c'est ça, tout ça. Tu n'as pas vu. Tu as vu que tu me disais que tu as dit que tu pensais qu'il me dépassait de 4 ans d'âge. Parce que tu voyais son corps. Tu as vu ça? Non, je pense que c'est pas pour dire. Je n'ai pas dit qu'il a le 22 ans. Mais moi, je sais qu'il dépasse à toi peut-être à 4 ans. Je n'ai pas dit qu'il est celle-là. Bonjour. Ok, d'accord. Non, c'est seulement deux ans d'écart. C'est deux ans que maman a fait. Pour vous bon, c'est seulement lui et moi. Deux ans d'écart. Le reste, là, c'est. Le reste, il y a 35, il y a 30, 31. Okay, we've come out this way. Yeah. So, actually, we're talking about his brother. I told him that I thought his brother is bigger than him by 4 years. So he's telling me that it's just 2 years. Il y a 4 ans. Ouais. Tu pars où de Bacalera? Au Charbonnage. Charbonnage. Yeah. On va descendre ensemble. Moi je m'arrête là-bas au restaurant là-bas. Je m'arrête juste là-bas. Le soleil là quoi, je te dis, tu ne vois pas comment que j'ai transpiré. Depuis la chaleur, la neige là, non, c'est autre chose. Now we are talking about the heat in Libreville this year is something else. Very, very, very tough. It's so tough, the heat. La chaleur, la neige là, c'est fort. C'est fort. Ouais, fort. Bon, tu fais comment? Tu descends comme ça? Moi, je fais comme ça. Tu fais comme ça? Ouais. Ok. Bon, après? So he said it's going the other way. I'm going this other way. So let me change my hat. See, I've come up this way. And I'm heading now to the restaurant. I was supposed to go and shave, but I couldn't shave because I passed there. There's a lot of people there. So I better come back in the evening and go and shave. I'll go and shave there in the evening. So that's why. I just one of the little boy in the neighborhood that grew up in front of me. So we're talking about his age.
and all that. It says 20 years old. But it's just this is what makes me to think like days are really passing, like years are passing, like without us not really knowing. I'm telling you, I'm also getting old without even knowing. No, I was born in November 20th. So you can call me like November 20th. That's like Scorpio. I'm a Scorpio. So you see, everybody was just be looking at me and thinking like, oh, what am I doing? Like, it's really funny. But I'm in the neighborhood. I'm getting used to of this because especially if look, there is a difference when you are working with someone and you are vlogging. There is that you have that that courage to continue. But you are alone like this. Like remember, like when I was with him, you see, I had that courage to keep on vlogging. But now that I'm alone, it's something else. It's not the same. Look how we have come out this way. I'm heading to the restaurant. I've come out down on the big road. It's like the second road going down to the big road from the restaurant. I have a friend of mine right there in the bar that sells in the bar, but I don't know if I'm going to vlogs and go all that way. I thought there was a car. I want to pass this way. See if I can pass. Let's go this way to the water. So I actually have Let's cross real quick. Okay, I actually have like 15 to 20 people that are really, really close with me in this world that I'm with. Bonjour. Oh, tiens, là, je viens here. Okay. Moi, je parle là-bas. That's the guy I was talking to is a guy that also they did the ties. One of the ties guys that did the ties. Pepe. Oh, look at the fire. Woo! I see. Pepe. Oh, tu dormais? I'm bothering you. Oh. They're almost at the restaurant side. I'm going to see what's up right there. Right now, so it's no big deal. So I'm already there. Look at that's the place right there. So now I'm around the restaurant already. So I want to show you guys this spot. The lady beside us said that she's working today. She's the one who made me to come and take a look at her. Bonjour, quoi, oui. So, I wanna. That's her right there. That is the restaurant. I'm already there. And look at the place. So, the lady says she's only one. Bonjour. Bonjour. Yeah. Ça va? Hein? Only one. Fait la oui, j'ai fait la vidéo. Je vais sortir. Maintenant, c'est quoi là-bas? Je vais partir avec la clé ou bien la clé? Je vais partir. Mais il a dit. Dis hello. Allô, mais je regarde personne, je parle. Dis hello. I told her to say hi. She said that she's not seen anybody. So she said she n'est pas pas personne, mais on te voit. Luna, quand de gol là, il faut quand de gol là. On te voit. Bien, mais. Je ne vois personne, je ne peux pas parler. Bah, quand de gol, dis pas qu'elle est. Ça fait longtemps, oui. C'est très longtemps. Je vois vous. Aujourd'hui, là, ça commence. Il m'a appelé, dit que ça commence. C'est bien.
Tu as vu comment on est parti, on est à faire là. Ouais, ouais. C'est très bien. C'est bien. Moi-même, j'ai aimé la couleur. Quelle couleur là, c'est très beau. Quelle couleur? Le rose là. Ah, la couleur des fruits là. Ah, ça là. Ah, tu vas mettre ça ici là. Oui, j'ai envie de mettre ça. Oui, oui. Il y a deux couleurs, mais elle sera le vert armé et puis le rouge là. Le rouge, hein? Voilà. Oui, oui, oui. Et ça, les gens m'ont demandé que oh, la couleur là, j'ai pris ça. Oh. Ouais. Moi-même, je. Ok, que c'est un mélange qu'on a fait ou quoi? Un mélange qu'on a fait. C'est pas un mélange, j'ai demandé rouge, il m'a soulevé ça. Ah, ça? Oui. Quand j'ai ouvert ça, j'ai dit, mais ça, c'est pas rouge. Ouais. Je vais amener. Ouais. C'est la peinture, là, celui qui fait la peinture là. Ouais. Celui qui m'a dit que non. On utilise ça, parce que c'est bon. C'est bon. Oui, c'est ça qu'on non, a. Non, non, c'est pris. Bon. C'est vraiment bon. Une bonne couleur. C'est ça que les gens me disent, que c'est une bonne couleur. Et ça marche avec la peinture. Oui, oui. Et ça marche avec la peinture. Là, il manque quoi aussi? Il n'est pas encore commencé. La clé de la meule, parce que la meule elle est petite. Ah! Et puis les baguettes aussi. Ah, ok. Les baguettes. D'accord. Bon, mais... moi je suis chaud. Hein. Mon sang bouillonne là. Parce que après... Regarde, tu vois ce mot l'autre là, non? Prends le gold là. Il demande l'agent de taxi. Là où il y a les plombs. Mais là, moi, si le taxi, c'est ce qui peut aller là-bas. So actually, guys are trying to. She's actually trying to fix this her own site. So this place belongs to her and she belongs to her and that's her husband. So they're not trying to arrange the place. Those are the workers. They're trying to arrange her place. So they are fixing it. So it's the man behind the work with the. That's the camera. So they are trying to fix her own spot. Because she do nails. So she put nails, like she make the nails and she also plait, she sells shoes. I'm sure you guys must have seen her in some of our videos. So they started this project ever since, I think it was last year, December, that they started this project. So now they want to finish the project. They got some materials also, they got the zinc, they got the rest material. Et là, tu es très content maintenant. Mais je ne suis pas encore tout content. Ce n'est pas encore fini. Je suis content quand même. Mais ils ont déjà commencé. Ça veut dire que ça va finir. Ça va finir peut-être aujourd'hui ou demain. Des choses qu'on trouve avec là. Ils ont oublié là. Un matin, I'm staying here right now. She's very happy because she's in all this thing. Maintenant, tu es parlé avec lui pour la lumière. Pour le courant. Néla. Vous arrangez vos choses. On a fini mal ici. Comment c'est à cause de quoi? Elle a enlevé le courant. Et pour qu'il m'a branché sur le courant d'une personne encore comme ça. Bon, je ne sais pas si c'est qui. D'une personne. Mais toi, pour que je bosse avec toi, tu me dis quoi? Non, j'ai dit seulement c'est 5000 poussières. Tu mets le courant pour 5000, on va travailler avec. Demande 2000, toi tu demandes 5000. Il demande 2000 à cause de lui, c'est pas le compte chargé. C'est pas pareil, tu sais pas que c'est pas pareil. Elle, c'est pas pareil, c'est pas le compte chargé. Ça, c'est le compte chargé. Celle-là, mon grand frère avant avait lui, c'est le même compte. Mon grand frère, il a dit que même si le courant là est fini, nous on a les frigos là, voilà, il s'en fout. Il a dit, le mois il fait le courant de 150 000. En plus, là, il consomme, il a une fille là-bas. So that's the thing. So they are trying to fix the whole of this place. And they put it, you know, she's trying to cover up her whole place. That's the door, everything. Past here. I learned to hell, I even divise it. Divise. Oui. Comment? Comme ça. Je ne sais pas. C'est toi qui vas faire ça, diviser au milieu. Un pas pour tes chaussures, l'autre pas pour. Je vais pour te laisser. Il doit tirer ça aussi comme ça. Faut que j'accroche les chaussures là dehors. Là-bas, c'est le salon.
que tu vas faire ça, il va faire ça, ça va revenir devant. Après la terrasse va sortir ici. So, see how she's gonna make her own start. She'll be like this. She'll take a level. It's going to take a level with this house. Then she's gonna put a veranda here, like the way we did house right there. It's amazing. It's quite amazing, guys. Really amazing. And I love that. Really love it. It's amazing. C'est le client. Avant, hein? Bon, aujourd'hui, là, ils vont faire. La lumière, là, c'est mieux que j'ai éteint ça. Bon. Tu veux pas que j'ai éteint ça? She doesn't want me to switch off the light. I think I got a key right here. Let me see. I forgot the keys. Oh my goodness, I forgot those keys. I thought I had those keys in my pocket. Wait a minute. I forgot those keys. Oh my god. J'ai oublié la clé. Hein? J'ai oublié ça. Oh. Donc maintenant c'est avec l'agrément. C'est-à-dire dans l'agrément, oui. tu peux enregistrer une seule société. Il est en train de te filmer et tu. Oui, on a déjà parlé. Tu peux filmer. Tu peux avoir une seule société. Oui. Une seule société, mais ouais. Tu vends les chaussures, tu vends. Arrêtez. T'es jaloux. T'es jaloux. Journaliste ici. T'es jaloux. Allez. Va là-bas. Oh, on a déjà parlé d'autres choses. Va. Tu veux que j'aille te filmer. Tu n'es pas journaliste. Oui, dans normalement, quand tu fais les 10 ans là, quand tu réussis ton business là, 10 ans là, tu pars maintenant à la trésor. C'est sur le agrément que on regarde c'est ce que tu fais. Après, à chaque chose que tu fais, ça, il y a des taxes. Tu es journaliste. Il y a le montant que tu payes. Si on dit, par donc, exemple, les gens qui vendent la voiture, ouais. Il y a des taxes. Il y a le montant. Arrêtez ton avec ton stage chaud. Les gens qui vendent les électroniques comme la télé, la radio et tout ça, là. Il y a des montants de ça. Ça tombe sur certaines catégories de choses. Les gens des salons de coiffure aussi, ça tombe sur certaines catégories de certaines choses. Mais il y a un truc qu'on s'appelle ça là, illégal. Ça veut dire que c'est une chose qui c'est interdit. Oui, avant que tu illégal, vas, oui. Illégal, oui. Avant que tu vas vendre ça, tu vas avoir le permis de ça. Bon, des choses comme ça là, il a des permis de ça. Ça veut comme un boisson et le médicament. Tu vois, les médicaments, des choses, les médicaments, là, les boissons, les choses qui c'est comme un drogue. C'est ça que les boissons, comme la bière, là, ça tombe sur le truc comme un drogue. Après, quand tu bois ça, tu casses ça. Bon, c'est comme ça. Bon, c'est le truc là. Maintenant, si tu enregistres, par exemple, ton affaire, ton restaurant. Oui. Mais tu as mis restaurant là. Oui. Tu as mis restaurant seulement. Tu vends à l'intérieur, tu vends la boisson. Si tu vends la boisson, oui. Quand les gens viennent faire le contrôle là, on va t'arrêter pour toi par rapport à la boisson que tu vois. À cause ils regardent ce qui est dans le papier, dans l'agrément. Oui. Ce que tu as déclaré pour l'État, que c'est ça que ton business fait. Maintenant tu ajoutes ça pourquoi? Où est le taxe de celui que tu as ajouté? Amener son papier. Tu vois, c'est là-bas qu'on te mange. Bon. Mais maintenant là tu fais comment? Tu négocies. C'est que hein, si tu veux négocier avec entre eux, mais quand tu commences à négocier comme ça là, faut c'est qu'ils vont partir, ils vont amener encore, ils vont aller dire ça à ses collègues, ils vont venir toujours pour t'embêter. Tu vois. C'est mieux que tu fais le papier une fois. À cause, tu vas voir. C'est-à-dire que si tu vends par exemple, tu as déclaré restaurant. Oui, tu déclares restaurant. Mais logiquement, le restaurant ne vend pas seulement. Parce que le restaurant, dans la restauration. Il y a aussi, tu peux vendre la boisson aussi. Tu vois, si, quand tu déclares un restaurant, tu peux vendre les jus. Les jus, oui. Les jus tombent sur comme l'eau et tout ça là. Ouais. Ça ne compte pas.
Mais quand tu as commencé à vendre la bière, le whisky, le champagne, ouais. Ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Oui. Ça maintenant c'est un bar. Ça c'est un bar. Ça veut dire que tu as ajouté ça, restaurant bar. Ça veut dire que toi tu vas dire restaurant bar. Bah oui, tu vas déclarer que c'est vrai, c'est un restaurant bar. Et je peux, si j'ai encore une autre chose que je sais que je vais faire, comme un agriculture, restaurant bar et cultivation de ça. Maintenant, quand j'ai amené ça à la trésor, je vais payer les taxes de toutes les choses qui sont écrites dans le agrément. Oui, tout, à cause de, c'est avec l'agrément qu'on te, on regarde, on te dit que pour ça, c'est ça, c'est ce montant, c'est ça. L'autre, ce montant, c'est ça. L'autre, ce montant, c'est ça. Oui, c'est ça. Avec ça, maintenant, quand tu payes ça, maintenant, tu as fini pour l'État. Pour l'État, là, maintenant, c'est pour la mairie. Là, tu pars à la mairie, tu lui dis que ah, tu as ton business qui fait ouvrir. Tu pars avec l'agrément. Il y a certains montants, quand, si tu n'as pas l'agrément et tout, que tu as monté, que tu as réalisé ton business, tu as payé, tu as terminé avec l'État. Tu pars à la mairie maintenant, tu dis que ah, j'ai bien commencé à cause de sur le titre là, sur le papier de tout ça là, la date est là-bas. Ils vont voir ça, ils vont connaître si tu as pris la vérité ou non. À cause de, si tu n'es pas avec le papier, Ils vont savoir ça, comment tu peux commencer. Tu ne peux pas parler seulement avec la bouche. Bon, c'est avec le papier, maintenant ils regardent ça, ils disent ok, tu peux commencer. Maintenant là, on te fait le papier de 3 mois. Mm-hmm. Je ne sais pas si on fait pour 6 mois, mais on fait pour 3 mois. Tu vois là, on fait pour 3 mois et là-bas, tu viens maintenant, tu colles le papier sur le mur, pour quelque part où tu gardes ça. Bon, l'agrément là, là tu as déjà l'agrément. Oui. Après tu as payer déjà la patente. La patente, oui. Voilà. Oui. La patente, là, ils peuvent te demander combien pour le resto. Les restaurants, ça, là, je ne connais pas. C'est quand je vais partir là-bas. Le restaurant, il y a beaucoup de papiers. Le restaurant, c'est après ça, là. Même après, j'ai fini avec la mairie. Il y a aussi, je vais aller sur le ministre de la Santé. Aller faire les certificats médicaux. Et aussi, là, il y a un truc que je dois faire aussi. Là, il doit faire la box de la sécurité émergence, petit box first aid. Premier truc, quand tu mets les petits trucs là, tu mets les accords à l'intérieur, comme si quelqu'un blesse. Tu vois, tu dois traiter un peu avant que tu amènes à l'hôpital. Ah, d'accord, comment dire, la trousse médicale. Oui, la trousse médicale. D'accord, oui, non, tu dois avoir ça. C'est pas un problème. Tu dois avoir la ça. Trousse. Quand, qui sauver si c'est propre, ouais. Soit un truc, c'est propre ou c'est un restaurant. On sait que non, ça c'est un vrai restaurant, qu'on peut dire que c'est un restaurant. Il regarde ça, c'est propre, ta nourriture, comment que tu peux pas. Il y a les gens souvent qui passent, ils viennent goûter la nourriture. Tu n'as pas jamais vu? Si, j'ai vu. Oui, ils viennent goûter la nourriture, ils regardent la douche, ils regardent la cuisine. Les gens, ils ont beaucoup de problèmes avec Le problème, c'est les gens maintenant qu'ils les envoient, quand ils viennent, ils trouvent ça que c'est pas bon. Ouais. Lui, maintenant, il demande l'argent. Voilà. Tu vois, il demande l'argent, on lui paye, il part. Si c'était ça là. Oui, à cause de la nourriture qu'on mange. Tout le litre vite que je vois la nourriture, comment il commençait d'abord par le charbonnage là. Ce n'est pas une nourriture. Charbonnage, quand tu arrives seulement comme ça, tu regardes seulement. N'importe quelque chose. Je te dis que même moi, je veux venir là, manger là. Il y a des gens qui viennent manger là, qui s'assoient là, qui mangent là. N'importe chose. On commence d'abord par ceux qui sont au charbonnage. Je te dis. Ceux qui nous vendent les choses là, Combien les cafés ici qui a combien les cafés la tu regardes même c'est sale, machin et tout, tu regardes les trucs. Attends, ceux-là ils payent combien? Ah, quand ils viennent, regarde ça, ils disent non, on fait tout ce que ça, c'est pas bon. Ouais. Tu vas nous donner quelque chose. Ouais. C'est comme ça. Mais ah, quand tu as toutes tes choses là, quand tu as toutes tes choses, ils ne vont pas t'embêter. Faut pas t'embêter. Dès qu'ils viennent la première fois, ouais. Ils voient tu as tout. Tu peux faire même toute l'année, la personne ne va pas passer là-bas. Quand il est passé avec des colis, même si tes colis disent qu'on part là-bas, il dit non, celui-là, on est dit là-bas, il a déjà tout. Mais dès que tu n'es pas, tu manques un, tu lui donnes l'argent. Ça ne fait pas un mois. Ouais. Tu vas avoir encore un autre. Pas lui, c'est lui qui va c'est aller. Oui, il va venir peut-être à la distance, dire que c'est là-bas. C'est là-bas. Vous partez là-bas. Et oui, vous partez là-bas. Moi, je suis à côté là, je vais vous attendre. Maintenant, il vient aussi. Ouais. Tu donnes encore.
tu vas avoir encore une autre chose, ils vont venir. Tu vas voir que l'argent que tu donnes, c'est mieux que tu ne pas faire le papier. Tu vas faire le papier. Oui. Ouais. Tu passes seulement faire non, le papier. Non, pas seulement faire le papier, tu arranges l'endroit. C'est-à-dire que là où tu es, puisque eux viennent pour l'hygiène. Oui, oui. Non, si bon. tu as déjà tout ton papier, tu n'as pas besoin même pour y venir. Ou bien les gens qui n'ont pas l'agrément aussi. Oui, les gens qui n'ont pas l'agrément. Tu sais que quand tu as l'agrément là, tu dois payer tout ton taxe. Et l'agrément, c'est bien. Donc, même si je gagne ou je ne gagne pas, ça c'est l'argent que je vais payer mes travailleurs. Ça c'est l'argent que je vais payer les taxes avec. Ça c'est l'argent que je vais payer les petits pour charger les unitaires, pour payer le courant, pour payer de l'eau et tout ça là, pour payer le loyer. Tu vois. Maintenant, si tu gagnes dans le 1 an, avant le 1 an, là, tu commences à le gagner, c'est bon. Tu vois. Par rapport à, tu vois aujourd'hui, tu vois les gens ouvrir le business, après quelques mois, ils se ferment. Ils pensent que ça veut dire que dès qu'ils ont ouvert, tout de suite doit avoir le client. Ça va passer, mais c'est pas comme ça. C'est avec le temps, le business avec le temps. Avec le temps, tu dois persévérer, tu dois rester là-bas. Avec le temps. Avec le temps. Le business c'est comme ça. Oh, les filles aujourd'hui ouvrent les bars, ça ne dure pas. Oui. Vous c'est fermé. Ça ne dure pas, vous c'est fermé. Pas. Quand tu lui demandes, il dit que non, il n'y a pas de marché. Ça ne passe pas. Okay. Allô? So we are talking about how to really start a business, how to start a business in Gabon, if you want to start a business like the restaurant. So he's asking me some questions. C'est qui? C'est Telly? Oui. Ah d'accord, tu changes de numéro hein. C'est pas le monsieur, on met une location. Non. Et c'est quand c'est comme ça, c'est ouvert, bien quand c'est comme ça, c'est fermé. Quand c'est comme ça, c'est ouvert. Ouvert, non? Oui. Quand c'est comme ça, c'est fermé. Oui. Après, c'est comme un ça, problème. C'est fermé. On doit... Tu as vu non? Comment ça coule là? Ah non? Non, ça ne coule pas. C'était comme ça. Je tire comme ça, ça ne coule pas. Moi, je cherche à fermer là. Non, c'est ça qui rentre à l'intérieur. C'est la chasse là-bas, il y a un problème. Ah bon? Ça coule. Ah, d'accord. Oh, quand tu vas finir ici là, de ta femme, elle doit être contente. Hein. Parce que la soleil là, que... je te dis. Bon, en fait, c'est moi, c'est ça là qui me faisait mal en fait. Parce que le soleil là, quand, depuis que ça a commencé, genre en janvier là, elle se plaignait tout le temps. Je dormais pas aussi parce qu'elle me faisait le bruit tout le temps. Elle me dit ça même, elle me dit que la soleil est trop, c'est à cause de ça que quand je lui demandais pourquoi tu ne viens pas ici tous les jours. Mais dit qu'il y a pour venir oui, t'asseoir ça dans le soleil. Le soleil, parce qu'elle restait là et les clients aussi se plaignaient aussi. Quand ils viennent s'asseoir là, le soleil frappe trop fort. Oui. Et la chaleur là, c'est vrai, oui. C'est comment on appelle ça oui. Le parasol là, il oui. Supportait pas la chaleur là. Si donc, c'était même un endroit qui avec le voilà. Bois, si c'était un endroit là où il y a l'arbre comme ça, il oui. N'y a pas de problème. Donc c'est ça là que j'ai dit, bah, ah vraiment, comme j'étais aussi tiraillé de gauche à droite avec le travail là-bas, j'ai dit bon j'attends seulement les petites vacances là, et puis je viens, on va finir ça, c'est mon support seulement un peu, et puis on va terminer. Lui aussi, pour l'avoir aussi, c'était compliqué parce que quand il a commencé avec mais c'est que là ils ont commencé, là ils vont faire terminer ça de l'ambassade là-bas. Ils vont terminer ça une fois là. oui, on finit une bonne fois. Voilà. C'est on bon. Finit si c'est deux jours, c'est deux jours, si c'est trois jours, c'est il travaille là à la... que c'est la bouteille des coups. Tu sais ça comme. Je t'ai pas vu. Depuis quand tu me vois, mais. Donc tu demandes même pas cela. Si. Elle aime de l'eau. Là, maintenant, tu bois l'eau non glacée. C'est pas toi qui m'as dit que tu ne bois pas l'eau non glacée. Ah, ok. So guys, we just discussed. Bon, je viens m'expliquer pour la patente et comment on appelle ça là, parce que je suis aussi sur un projet. Bon, ce sera un peu pas plus pas grand comme pour toi là, mais ce sera un petit restaurant bar.
Déjà, on va chercher un local d'au moins cette taille-là. Donc, peut-être deux fois la taille-là. Oui. Voilà, si ça peut faire deux fois le truc-là, un local comme ça. Et on va on mettra d'ailleurs les tables à l'intérieur et tout, tout. Oui. Avec une petite terrasse. Oui, oui. Voilà. Donc, on va faire restaurant-bar en même temps aussi. Mmh. Voilà. Donc, on est sur les projets. Et voilà pourquoi je commence déjà à demander un peu pour les papiers comment ça se passe. Oui, parce qu'on a envie de faire un truc vraiment propre. Oui, 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 oui. C'est ça, oui, c'est ça. Et c'est ce que moi j'ai vu, c'est quand tu fais les choses ici très propre, 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 voilà. Les gens sont peurs pour venir pour rentrer. Voilà. Les gens pensent que c'est cher. Voilà. Tu vois, les gens pensent que c'est cher. Mais non, mais en fait, ceux qui ont peur, c'est ceux qui n'ont pas l'argent là. C'est-à-dire ceux qui n'ont pas trop d'argent quoi. Oui. Celui qui gagne par exemple son petit salaire 100 000, 150 000, bon, quand il va voir comme ça, il va dire ah peut-être le plat là-bas c'est 10 000. Mais ils ont oublié qu'il peut trouver le plat de 1000 francs aussi là-bas. Voilà. C'est à cause des premiers gens qui sont commencés pour faire le restaurant propre. Tu sais que quand ils ont fait ça comme ça, ils m'ont augmenté le prix à partir de 5 000, 10 000. Tu vois. Mais maintenant, ce n'est plus comme avant. Ce n'est plus comme avant. Même dans le hôtel là, le restaurant là-bas, c'est moins cher. 2 000. J'avais parti manger dans un hôtel Biscuits là. Ouais. Il est là. Hôtel Biscuits là-bas. J'ai parti manger 2 000. Un plat, 2 000, mais si quelqu'un il ne se connaît pas, il va penser que oh, peut-être là-bas c'est 10 000, 25 000, 15 000. Ouais, non, ouais. C'est pas comme ça. Ouais. Pas comme ça. Voilà. Donc, en même temps, tu peux manger des plats de 2 000. Oui, tu viens avec, si tu es accompagné et tout, avec ta chérie, tu viens, ça va te faire peut-être au trop 5 000 ou 6 000. Si vous allez prendre deux plats, 4 000, et puis la boisson oui. 2 000, donc ça peut faire 6 000. 6 000. Oui, tout ça là. Donc, nous, okay. Ici on est au Gabon. Yeah. Voilà. On parle de. We are talking about how to open the business. If you want to do a business, you want to invest in Gabon, you want to open the business. On cherche comment tourner. Yeah. Look at, she's just jealous. She's jealous. She doesn't want us. On cherche comment tourner et ouvrir des business. Parce que l'année-là, on doit ouvrir beaucoup de business ici au Gabon. Yeah. Voilà. That this year you have to open like so many business in Gabon. Yeah. So you're talking about how to really start a business, how you can really start your business, how you can pay your taxes, you know, procedure to follow. That's what we're talking about. Okay guys, okay, we'll see you in the next video. See you next time. Bye. Take care. Right there. On est là, tu es jaloux. Tu es très jaloux, oui, tu es jaloux. Elle est jalouse. Oh, she's very jealous. She doesn't want me to interview her man. So, see you guys later. Bye bye.